Vendredi suivant, la vidéo n'est pas encore diffusée. La deuxième sort du congélateur et vous voyez, elle va passer au four. 30 octobre 2020, vendredi. Bonne journée pour vous présenter la meilleure andouille de France, oui. Il y a une semaine, j'en ai ramené 10 de Tinc. Vendeville, il y a une quarantaine d'années. Les grands-parents ou les parents, peut-être des bouchers actuels, venaient chez mes parents tuer le cochon. Et depuis l'enfance, j'ai l'habitude de manger cette andouille. C'est pour moi un des repas les plus délicieux. Je partageais ce plaisir avec ma mère. Pour la dernière fois, donc, j'y suis allé, c'était vendredi dernier, c'était jeudi dernier que je les ai achetés. Et je suis redescendu avec une glacière remplie d'andouilles. Oui, pour moi, c'est la meilleure andouille de France. J'en ai essayé d'autres dans le Pas-de-Calais, oui, et j'aurais jamais retrouvé ce goût. Alors voilà, une tradition que chez les Vendeville, on se transmet de père en fils, je crois, et aussi avec les employés. Pourquoi ailleurs elle n'est pas aussi bonne, je sais pas, ou alors c'est moi qui aime ce goût particulier, un goût particulier, vous voyez. Une demi-heure au four, ma mère est cuisée au-dessus des pommes de terre à la vapeur. Moi je préfère qu'elle soit au four, comme ça la graisse tombe. Oui, c'est gras, oui, c'est de l'andouille, voilà. On ne tue plus le cochon chez mes parents depuis bien longtemps, mais voilà, par cette petite vidéo, je parle rarement, même à mon cuc, de culinaire, si un tout petit peu quand même. Mais ce n'est pas mon cuc, non, non, ce n'est pas le boucher de mon cuc qui fait la meilleure andouille de France. Et il faudra que vous y mettiez. C'est chez Vendeville à Tinc. Route nationale, oui, entre Arras et Saint-Paul. Vous pouvez pas la rater sur la droite dans ce sens-là. On me dit même que maintenant il y a parfois la queue, et oui, avec les circonstances sanitaires. Voilà, je vais manger ça avec des pommes de terre cuites à l'eau, et demain je mangerai le reste froid. Oui, froide, elle est également très bonne, cette andouille de Tinc. À toutes celles et tous ceux qui aiment cette andouille, je vous dis un salut bien amical d'un confiné de mon cul concubé. Et à ceux qui passent devant, je vous invite à vous y arrêter. N'hésitez pas à dire, j'ai vu la vidéo sur mon cul TV ou sur YouTube. Et peut-être, voilà, tout le monde un jour fera que en disant, j'ai vu la vidéo, je vais goûter. Mais non, mes vidéos sont très peu vues. Voyez, et ça goûte un peu, je me dépêche sinon ça va refroidir. Ici mon cul concubé, où malgré le confinement, on pense à la meilleure andouille de France. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Tout va bien pour le moment, on s'est engagé à bien gérer cette commune, je crois qu'on y arrive et je pense que vous pouvez être serein pour...